Il a été le théâtre d'un triple meurtre jamais résolu en 1941. Le château d'Escoire, en Dordogne, est connu pour avoir abrité l'une des plus grandes énigmes criminelles françaises. Il a été mis en vente récemment pour la somme d'1 640 000 euros. Si le lieu fascine toujours autant, c'est parce qu'un triple meurtre s'est déroulé entre ses murs il y a plus de 80 ans. Retour en 1941. Dans la nuit du 24 au 25 octobre, le propriétaire des lieux, Georges Girard, sa sœur Amélie et leur employé de maison, Louise, sont retrouvés morts, tués à coups de serpe. C'est finalement la personne qui a prévenu les autorités qui attire les soupçons des enquêteurs. Il s'agit du fils du propriétaire, Henri Girard, le seul rescapé de cette tuerie. Alors qu'il était présent dans le château la nuit des faits, il dit qu'il n'a rien entendu et que ce n'est qu'au matin qu'il a découvert les corps des trois autres occupants. Selon lui, c'est un cambrioleur qui est à l'origine des meurtres et il pointe d'ailleurs le fait que tout a été renversé dans le château comme s'il avait été fouillé. Pourtant, il y a bien un détail qui attire l'attention sur Henri Girard. La veille des faits, le jeune homme de 24 ans avait utilisé la fameuse serpe, celle qui a servi à tuer les trois occupants du château. Il est mis en examen et en mai 1943 s'ouvre donc son procès. C'est l'avocat Maurice Garçon qui va le défendre et il va pointer une à une les incohérences du dossier. Sa plaidoirie va remporter les faveurs des jurés, puisqu'au terme d'une délibération qui ne dure que 10 minutes, on prononce l'acquittement d'Henri Girard. Et c'est d'ailleurs sous les applaudissements de la foule que ce dernier quitte le tribunal. Mais le parcours d'Henri Girard ne s'arrête pas là. Après son acquittement, il se met à écrire des romans sous le nom de Georges Arnaud. C'est comme ça qu'il signera plusieurs livres à succès, dont Le salaire de la peur, qui sera adapté en film par le réalisateur Henri-Georges Clouzot. Encore aujourd'hui, Henri Girard continue de susciter la fascination et plusieurs œuvres et documentaires ont été réalisés autour de son histoire. L'écrivain Philippe Génada a même écrit en 2017 un livre-enquête intitulé La Serpe, dans lequel il prend la défense du seul suspect de cette affaire. Un ouvrage pour lequel il a d'ailleurs reçu le prix Femina. Depuis, un salon littéraire centré autour du polar se tient chaque année au château d'Escoire, classé comme monument historique.